Nous rendons naturellement vers notre village, à qui je souhaite la poursuite de son développement, que nous essayons de rendre harmonieux, afin que chacun puisse y trouver sa place. La cérémonie de vœux, c'est aussi pour moi l'occasion d'accueillir de nouvelles familles qui ont été séduites par le charme de notre petit village. Je leur souhaite bien entendu d'y rester. Dans une société en mutation où de nombreux repères sont bousculés, la commune apparaît pour quelque temps encore une communauté humaine, où peuvent se maintenir des élans de solidarité, même si le contexte économique demeure difficile et conduit les politiques publiques locales à la prudence. Prudents, nous l'avons toujours été, et nous le resterons, car cette disposition d'esprit ne nous empêche pas, bien au contraire, de faire avancer le village que nous habitons et que nous aimons, et ne nous empêche pas non plus de préparer son avenir. Nous voici donc à l'aube de l'année 2015, année que beaucoup qualifient déjà de difficile sur le plan social et économique. On sent pourtant que les incantations autour du retour à la croissance, comme seule recette pour créer des emplois, ne tiennent plus. Voilà 40 ans que les gouvernements successifs y travaillent, et autant d'années où le chômage reste un problème endémique. La croissance, comme seul moteur de création d'emplois, ne peut pas non plus nous être présentée comme la solution, alors qu'elle est responsable de la dégradation continue de notre environnement. Et c'est toutefois dans ce contexte difficile qu'à la tête de nos collectivités, nous devons prendre nos responsabilités et agir pour le bien commun. Et c'est dans cette crise qui n'en finit pas que nos concitoyens se débattent et qu'ils demandent à leurs représentants politiques de tracer des lignes claires, même s'ils sont conscients que le pouvoir politique ne peut pas tout. Alors, au niveau local, nous devons aussi agir. Nous devons prendre nos responsabilités. À Saint-Julien, la municipalité a ainsi souhaité s'engager sur le front de l'emploi, en renouvelant le poste anciennement confié à Jo Kamaïti, à Hervé Michel. Je lui renouvelle toute ma confiance. Maintenant, il est de tradition de dresser le bilan de l'année écoulée et de parler de l'année qui s'avance. À Saint-Julien, pour l'année 2014, le montant de nos dépenses réelles d'investissement s'est élevé à plus de 180 000 euros. Parmi ces investissements, nous avons d'abord accru notre patrimoine bâti par l'acquisition d'un ancien séchoir à prunes pour 6 000 euros. Cette bâtisse nous a été cédée par la famille Giraud, pensant qu'il fallait que cet édifice ne soit pas détruit, mais demeure comme témoignage des temps passés. Dans cette optique, furent plantés des pruniers de la variété Pardigone, dans le cadre d'une convention avec le parc naturel régional du Verdon, qui met à disposition de notre commune, gracieusement, de nombreux plants de cette variété et nous accompagne techniquement dans le projet verger villageois. L'objectif étant la réintroduction de cette prune, jadis en abondance, sur notre commune. Acheter une sableuse automatique pour un montant de 15 000 euros, cet accessoire vient compléter utilement l'acquisition du camion et de la lame de déneigement dont le coût s'élève à 77 000 euros. Cela va permettre d'optimiser la sécurité de notre voirie en période hivernale. C'est grâce au fonds départemental d'appui aux communes, le FODAC, mis en place par le Conseil général, que cet investissement a pu être réalisé. Nous avons procédé à des travaux d'enfouissement de réseaux et d'éclairage public, en coordination avec ceux entrepris par ERDF et le syndicat départemental de l'énergie des Alpes de Haute-Provence, dans le cadre du projet d'enfouissement de la ligne très haute tension et du renforcement de la basse tension pour un montant de 24 000 euros. Et réaliser une piste forestière pour rendre à nouveau accessible le massif de Crémont suite au mouvement de terrain à l'amont du pont du Rieu pour un montant de 22 000 euros. Cette piste sera utile pour l'aménagement forestier projeté. Sécuriser le chemin du lac par la construction de murs de soutènement en pierre pour un coût de 30 700 euros. Réaliser des travaux de voirie pour un montant de 10 600 euros. Acheter un bateau de sécurité destiné à la surveillance de la zone de baignade pour un montant de 4 400 euros. Et enfin, nous avons commencé les travaux d'extension du garage communal afin d'y mettre à l'abri le camion. Sur le plan de l'urbanisme, ce sont 12 permis de construire, déclarations préalables et certificats d'urbanisme qui ont été déposés. 2015 verra l'élaboration du plan local d'urbanisme, le PLU. Afin de se doter d'un outil de planification des orientations d'aménagement et d'urbanisme sur l'ensemble du territoire communal,
compatible avec les nouvelles dispositions législatives. Son élaboration est rendue nécessaire du fait qu'à l'échéance du 31 décembre 2015, notre vieux plan d'occupation des sols, le POS, sera caduc. L'attribution de l'étude doit être faite dans les jours à venir. Il s'agit là d'un moment important dans la vie d'une commune qui doit nous permettre d'établir un projet global d'urbanisme et d'aménagement et fixer en conséquence les règles générales d'utilisation du sol sur notre commune. Notre projet d'isolation des 4 logements communaux, l'Égypte, qui avait été recalé par nos partenaires, a en fait trouvé preneur auprès de la région avec une attribution de l'ordre de 30% de son coût. Une aide complémentaire est nécessaire, a été demandée dans les mêmes proportions au service de l'État dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR. Espérons que notre initiative retienne toute l'attention de Madame le Préfet et que nous pourrons améliorer de façon significative le confort de nos locataires, contribuant ainsi à l'effort collectif d'économie d'énergie fourni par nos dirigeants. Nous allons aussi engager l'étude de construction de 2 logements et d'une salle d'exposition et de lecture, qui sera mise à disposition des associations, entre autres, dans un bien acquis sur lequel la région nous avait accordé sa confiance pour son acquisition il y a de cela 5 ans. Je veux parler de la maison Brûlée. Pour ce qui concerne notre patrimoine historique, qui marque notre identité, nous mènerons à terme les travaux de réhabilitation du séchoir à Prudes. Pour l'heure, je tiens à remercier les services du Parc naturel régional du Verdon, représentés ce soir par Paul Corbier, vice-président, qui nous ont éclairés sur la façon de faire. Outre son patrimoine immobilier, le village souhaite investir aussi dans ses rues et ses places. Là encore, depuis 2004, nous avons beaucoup avancé. Il a été décidé de poursuivre les travaux en aménageant la place de la mairie. Et cela passe par la voirie, les contrôles des réseaux, la mise en valeur du lavoir, du monument, tout en respectant le cheminement piétonnier, fil conducteur de notre projet global d'aménagement et de sécurisation. La base nautique se verra dotée de 2 pontons et pourra travailler 24 embarcations de façon ordonnée. Ces emplacements seront réservés en priorité aux habitants de la côte. Il a été décidé également d'acquérir une flotte de voiliers de type optimiste destinée à l'initiation de la voile aux enfants, à charge du club nautique d'en tirer le meilleur profit. La commission communale sport, loisirs et tourisme, en collaboration avec les utilisateurs du plan d'eau, ont travaillé vers un objectif partagé qui est d'améliorer la qualité de l'accueil et la sécurité en matière de navigation. Je réaffirme ici ma volonté de soutenir ce dynamisme positif dans l'intérêt de tous. Vous voyez, 2015 va être une année riche en réalisation. Si nous respectons cette ligne de conduite, si nous sommes à la fois prudents et audacieux, dans nos projets politiques, notre commune a de beaux jours devant elle, grâce à une gestion financière rigoureuse. Bien entendu, toutes ces dépenses communales qui contribuent au final à enrichir notre village ne sont possibles que parce qu'elles ont fait l'objet de subventions de la part du Conseil général, du Conseil régional, de l'État et de l'Europe. La présence des représentants respectifs ce soir me donne l'occasion de les remercier sincèrement, chaleureusement, tout d'abord pour leur écoute et leur attention toute particulière pour qu'ils portent à nos multiples projets d'intérêt général. Avec bien sûr une mention particulière à notre député et président du Conseil général, Gilbert Sauvant, dont l'aide et les conseils toujours précieux prouvent bien l'écoute attentive qu'il porte aux besoins des villes et villages du canton. Mais je ne vous ai pas asséné de nombreux chiffres par simple plaisir. Je voudrais souligner que ces nombreux chantiers ont contribué à transformer l'image du village et ont donné du travail à de nombreuses entreprises pour la plupart de la région. C'est cela aussi ce que je considère comme prendre notre part de responsabilité à l'échelon local. Puis aussi parce que la situation financière de la commune est saine. Aucun emprunt jusque-là n'a été nécessaire à nos plans de financement, alors même que bon nombre de communes ont depuis 2 ans des difficultés croissantes à être suivi par les banques. Saint-Julien-du-Verdon inspire toujours la confiance.
pourtant de plus en plus sollicité, mais aussi Monsieur le receveur, notre trésorier, l'Office national des forêts, l'Office national de la chasse, la DNR.